Bonjour tout le monde, c'est ML qui vous parle pour le 11e épisode Ton billet GM des Canadiens de Montréal. Donc, juste avant de commencer l'épisode, je vous le dis, ça c'est le dernier épisode que je vais enregistrer. Si j'ai tout bien calculé, ça va être dimanche que je vais le poster, puis je ne peux pas enregistrer la fin de semaine. J'ai pas le temps, donc ce serait le temps de mettre vos commentaires là, si vous avez des suggestions à faire pour l'équipe. Je sais que je vais signer les agents libres. J'ai bien regardé tout, puis on a un poste ouvert dans notre top 6 pour un défenseur, donc je vais l'offrir à Marc-André Bergeron. Ouais, peut-être 3 ans, 5 millions, c'est beaucoup d'argent pour un gars de 32 ans, mais je veux vraiment l'avoir. Il peut amener une intéressante dimension, puis en plus, j'ai pas beaucoup d'espace pour mettre des joueurs sous contrat. Donc, c'est ça, on va juste simuler jusqu'au début de la saison. Donc c'est ça, comme j'ai dit, vous pouvez faire vos offres, vos suggestions à la fin de cette vidéo. Elle devrait arriver, comme j'ai dit, dimanche. Puis j'ai l'intention d'enregistrer mon prochain épisode lundi. Voilà, Bergeron est avec le Canadien, de retour avec le Canadien. Donc, si vous avez vos suggestions, c'est là. On va les écouter. Et non, je ne vais pas signer. Je sais qu'il y a des bons joueurs avec des bons potentiels comme Cousineau, comme gardien de but. Puis, beaucoup de joueurs à 3 étoiles et demie, mais je trouve que c'est un petit peu triché en les signant, donc je vais pas les signer, ok, je préfère les repêcher. Royalement. Donc pendant que ça simule, ben en ce moment où je fais la vidéo, on est jeudi, donc le mercredi, pardon. Puis Patrick Roy vient juste d'être nommé entraîneur-chef de l'Avalanche, donc je peux bien en parler un petit peu. Non mais quelle classe, hein, Patrick Roy, je sais pas si vous l'avez regardé, là, mais moi je trouve c'est toute une classe, sérieusement, là. Je sais que comment ça a fini avec le Canadien, c'était peut-être pas la classe, justement, mais j'ai beaucoup de respect pour lui, puis pour ça, dommage de pas l'avoir vu jouer, ou presque, quand j'étais plus jeune. C'est ça, c'est des gars de même qu'il n'y en a pas deux, là, des Patrick Roy, puis... Honnêtement, je souhaite beaucoup de chance. La meilleure des chances avec l'Avalanche du Colorado. Puis attention, hein, des fois, il suffit juste d'un bon entraîneur. On l'a vu avec le Canadien pour complètement changer une équipe. Donc, l'Avalanche a des joueurs intéressants comme Stastny, Duchesne, Landeskog. Écoute, ces trois gars-là, là, je peux bâtir une équipe autour de ça. Ils ont Eric Johnson, un premier choix repêchage. Donc justement, Seth Jones me fait beaucoup penser à Eric Johnson. Quand il jouait dans la CHL, là, Eric Johnson, il ressemblait beaucoup. Puis finalement, ben, il s'est transformé en défenseur défensif. On disait d'Eric Johnson que c'était un gars qui pouvait tout faire sur la patinoire. Il n'était pas transporté. Puis je sens que c'est la même chose qui va se passer avec Seth Jones. Peut-être un meilleur exemple, ce serait pour moi avec le Lightning de Tampa Bay, Victor Hedman. On disait c'était vraiment un grand défenseur qui pouvait changer ta concession. Puis... C'est un excellent défenseur, mais écoute, notre défensive a de la misère pareil. Donc on est déjà rendu au début de la prochaine saison. C'est ça, pendant que je vais faire les lignes. Un, deux, trois. Je vais commencer par les défenseurs. Caberlin, non. Oh, Emeline puis Kinordi. Ok, Tinordi, il est rendu 81 overall, là, aussi. Il est 4 étoiles, là, en plus. Il va être un excellent défenseur. Dans la vraie vie et dans le jeu, aussi. Georges Bergeron, maintenant qu'on a acheté, puis Markov et Subban, qui sont des défenseurs de top 2. Pour la raison pour laquelle j'ai décidé de pas signer d'attaquant, c'est parce que je sentais qu'on avait assez de profondeur. Dans notre attaque. Puis comme j'avais dit aussi pour la raison pourquoi je n'échangeais pas Mouin, ben là c'est ça, cette année il y aurait un poste dans notre équipe. Puis moi j'aime ça avoir 9 attaquants qui ont au moins 80 overall, ok? Puis c'est exactement ça que j'ai en ce moment. Donc je sens pas le besoin de 4 étoiles. Ok, 3 étoiles. Je sens pas le besoin de signer un agent libre, même si j'ai l'argent, pour. Puis il y a aussi quelqu'un qui m'avait dit ça, que il y a du monde qui allait vouloir des gros contrats, dont Subban l'année prochaine. Ça, c'est à prendre aussi en considération, n'oubliez pas.
Je t'en ai parlé, j'ai pas vu si elle fait une meilleure ligne. Et dernier, comment ça qu'on en parle pas? Ok, fait que là ils disent que dernier, ouais, je suis d'accord, on va envoyer dernier dans les mineurs. Puis on l'aime beaucoup notre David, là, mais il n'y a pas de poste dans notre équipe. Bowen, LeBlanc, Gallagher. Donc je garde Chignoc sur le deuxième trio. Est-ce que vous êtes correct avec ça? Vous allez avoir le temps de me le dire, là. Je vais pas avoir simulé très longtemps avant le début. J'aurais pas beaucoup de temps. Je suis un petit peu pressé aujourd'hui aussi, là. C'est ça, garde Chignoc. Je vais le laisser comme c'est, ok? Je vais laisser ça comme. J'aime juste pas Eller sur le quatrième trio, mais attends une seconde, là. C'est ça, je veux Eller là, puis c'est clair qu'on a un attaquant de 3, ok? Je vois ça comme ça, là. Quand Eller, LeBlanc se retrouve sur le troisième trio, c'est qu'il y en a un qui tourne dans ces 6-là. Donc, vous devriez me dire qui qu'il faut. Je sais que Ryder, il est juste 80 puis qu'il ne mériterait pas d'être là, mais je veux quand même le laisser là. Parce que regardez, la catégorie de lancer 96-87, c'est d'excellentes statistiques pour un tireur d'élite. Donc, regardez, le White, on l'a signé pas pour rien, pour le faire jouer. Stortini. Dernier, est-ce qu'il y a encore du potentiel? Non. Ok, il va rester 78. Peut-être David, il faut l'échanger, je sais pas. Je me dirais Colberg est là. Attendez, je vais juste monter Colberg sur le premier trio. Parce que je sais que lui, c'est pas mal notre seul super bon prospect. Je sais que Beaulieu aussi, mais je vais le laisser là pareil. Puis Tokarski, pourquoi pas. Je peux même commencer dans les mineurs. Ok, donc c'est nos lignes pour le début de la saison. Je pense pas qu'ils vont rester. Je compte retourner à mon ancienne façon de faire, de changer les lignes. Juste faire mon conseil d'entraîneur. De changer les lignes à chaque mois là, en fonction de qui performe ou pas. J'ai gagné beaucoup de Coupe Stanley dans les NHL 2013 en faisant ça, donc je sais pas si ça touche un hasard là, ou. Peu importe. On peut simuler un petit peu, au moins jusqu'au début de la saison. Pour qu'on soit prêt à commencer. Ouais, c'est ça, je vais pas faire, j'arrête là, mais j'aurai pas le temps de commencer la simulation un peu plus loin. Donc on voit que McDonald, l'attaquant des Islanders, a été changé pour un choix de premier tour aux Sharks. Bruno Gervais contre Chris Phillips. Beaucoup d'échanges, Giguère. Il se passe beaucoup de choses, là, regardez en bas de votre écran. Donc c'est ça, je vais arrêter là. Puis n'oublie pas, comme j'ai dit, suggestions, je vais les attendre. Puis j'espère être capable de faire une vidéo lundi. S'il n'y a pas de vidéo lundi, ben tant pis. J'aurai pas le temps, donc merci d'avoir regardé. N'oubliez pas vos suggestions et à la prochaine.